Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour l'énorme swap de Noël qu'on fait chaque année avec Flora, qui est juste là. Cette année, c'est Flora qui a trouvé le thème qui était de faire autour du monde. On a choisi, on avait défini 5 pays, mais j'ai bien vu que t'avais pas choisi les bons, enfin que t'avais pas pris ceux qu'on avait pris au départ. Et que moi non plus, voilà. Donc comme ça. Mais voilà, on a fait autour de 5 pays, à peu près toujours 25 produits, sans budget, chacune fait avec le budget qu'elle a, tout simplement. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite. Donc, elle m'a fait un menu comme ceci. T'as un réveil. Ah, c'est pour faire mon sport. Donc, elle a fait un menu comme ça, truc élaboré. Donc, on commence tout de suite. Oh la vache. Allez, je me suis fait chier. Hein. Tu m'as mis des recettes. Ouais, mais ça vient de quel pays? Tzatziki. C'est grec. C'est bien, tu sais. Donc le premier pays, c'est quoi? C'est la Grèce. Ah d'accord, t'as fait comme ça. Et là, après, c'est... Ah d'accord. Oh, c'est trop bien. En plus, c'est bon, tzatziki, c'est frais. Nancy, Athènes. Oh là là, comment... Je vous montre quand même. Comment tu t'es fait, Lini? Non. Je me suis pas fait autant. Je m'en fous. Donc, le numéro 1, c'est pour tes ongles. Du coup, elle m'a fait les boîtes. Elle est sa troisième. Ah oui, je vous ai pas montré. En fait, il y a 4 boîtes comme ça et il y a un gros sac comme ceci. Et chaque boîte correspond à un pays. C'est trop bien. Alors, le numéro 1, c'est pour tes ongles. Tu te débrouilles pour enlever tout ça. Bon, ça s'enlève bien. Non, ça s'enlève plus très bien. Alors. Oh. Ah bah, hé hey, hein. 5 produits pour 5 pays. Hein. Ouais. Donc, voici comment ça se présente. Donc le premier est ici, alors moi comme toujours j'aime bien deviner avant d'ouvrir. C'est pas trop compliqué. Et voilà pour tes ongles, à mon avis c'est soit un rouge à lèvres j'allais dire, un vernis à ongles, soit un soin. Par contre ça, ça se... Oh H&M, oh le beau gris. C'est pas beaucoup de gris et il est super beau et ça me permettra de tester les H&M. Je regardais le pinceau. Oh ça a l'air pas mal, t'as vu? Il est arrondi le pinceau et c'est super bien. En plus j'avais qu'un seul gris et j'avais pas de clair comme ça. Alors numéro 2, parce que tu n'en as pas encore assez chez toi. J'allais dire un vase mais... C'est pas en rapport avec l'objet lui-même. On va bien voir. Pourquoi tu avais donné du chocolat? C'est des sous-verts? Ouais. Oh. Ah ouais, c'est des plastiques, Zach. Oh, ils sont trop beaux. Même pour mettre des trucs dedans. Hein? C'est qu'on les voit pas. Ah merde. Donc voilà, il y en a 4. C'est trop beau. Mais même pas. Enfin, c'est même pas des sous-verts. C'est, tu peux mettre plein de trucs ouais, là-dedans. Tu fais ce que tu veux, au final. Mais j'avais pas des petites assiettes comme ça, c'est super pratique. 3 pour tes futurs voyages. Ah c'est celui-là. C'est le tout gros. Ça c'est une trousse pour mettre du maquillage. Oh du monde. Oh, oh elle est trop belle. Oh, elle est canon. En plus elle est bien grande. Oh ça j'aime bien aussi. Ah non elle est trop belle. Puis en plus tu vois elle est bien épaisse. Je sais pas si vous verrez bien. Oui, j'ai oublié de vous dire, on est chez Flora. Hein. On a la lumière artificielle parce qu'il est 5h mais il fait nuit. 18h même. Ouais, 18h et il fait nuit. Dans 1h30, il faut qu'on soit en ville, qu'on aille manger. Merci. Ah, je trouve content. Il en manque un peu sur toi. Des bijoux? Des marbrés? Des bijoux marbrés. C'est trop facile comme ça. Trop fort, j'arrive pas à l'ouvrir par contre. Ah, mais je l'ai bien fermé. C'est moi. Alors, un bijou marbré. Oh, deux. Oh oui. C'est des boucles d'oreilles? Oui. Oh, elles sont trop belles. Je te jure, t'as fait fort, hein. Si tu sais que niveau bijoux, je suis extrêmement chiante, mais là je les trouve trop belles. Elles sont petites, elles sont discrètes et en même temps elles sont originales. Vous avez en fait, je sais pas si vous allez bien voir,
ça vous fait un rond avec le marbré et du coup en dessous vous avez la petite boucle. Mais elles sont absolument magnifiques quoi. Je les avais jamais vues, pourtant j'avais regardé un peu. Il y en a beaucoup des bijoux, mais celui-ci je l'ai jamais vu. Et du coup le deuxième, ça c'est un V, c'est pas marbré celui-ci. Tu? Mais attends, c'est parce que c'est emballé. Ah! L'élément marbré est encore emballé. Ah, d'accord. Ah, trop bien. J'aime bien en plus les colliers comme ça. Double rang. Ah si, il est beau. Ah, il est magnifique. Ça vous fait un V comme ça, même si c'est doré, je trouve magnifique. Tu sais, en argent, c'est très compliqué à trouver. Ouais, bah oui, pourtant le marbré, ça va mieux avec de l'argent. Et du coup, ouais, ça se porte à peu près comme ça. Mm. Ah, il tombe bien, hein. Mm. Franchement, il est magnifique, hein. C'est con, j'ai pas mis un haut, on peut pas trop le mettre, mais les boucles d'oreilles, je vais les mettre après. c'est trop beau. De toute façon, le marbré. Mais ouais, niveau bijoux, je suis extrêmement chiante. De toute façon, j'en porte très peu. Et là, franchement, t'as tapé fort, quoi. Ouais. 5, élégante et agréable. Alors là, je vois pas du tout. Ouais, je sais. Un parfum. Bah, heureusement que tu sais. Un parfum. Marbré encore. Oh, ça sent bon. Ah oui, tu m'avais dit que tu allais chez Zara. Donc c'est Zara Home et c'est une bougie qui sent super bon. Là c'est Royal Garden. Ça porte bien son nom, je trouve. Et la bougie, ah elle est pas marbrée. Non, mais l'emballage. Et comme ceci, mais l'emballage il est trop beau, je la garderai. Mais franchement, elles sont trop bon. J'espère juste qu'elles diffusent bien. Ouais. Ouais, ça diffuse bien. Oh, trop bien. J'en ai pris une. Ah. Elle est trop belle. Franchement, le packaging, il est magnifique. Donc, maintenant, c'est fini pour la graisse. Déjà, je suis trop contente. Ouais, et tu t'es mis la référence au marbre. Oui, j'ai vu. Elle a mis là, voilà, d'où venait le marbre et tout ça. Et du coup, bah, c'est fini pour la graisse. On passe à la suivante qui est riz à la noix de coco. L'Indonésie. J'ai triché. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Donc, nous avons une recette de riz à la noix de coco, ça c'est super bon, j'en ai déjà fait. Et ensuite, nous avons l'Indonésie, donc toujours présentée comme ceci. Et là, c'est quoi? Ah, tu m'as mis de la noix de coco. Oh non. Alors, Indonésie, oh bah c'est ceci. Hop. Si tu m'énerves, t'es fini. C'était pour pas que tu puisses tricher si j'avais fini avant toi. Ah bah non, c'était moi encore une fois. Ah. Alors, on ouvre. Ça me fait à chaque fois rire. Mais les boîtes sont magnifiques. Elle les avait achetées quand, avec moi. Et ça fait un effet bois cuir. Ouais, bois cuir. Elles sont magnifiques quoi. Je vais les réutiliser. De toute façon, à chaque fois, c'est le but aussi que les boîtes, on les réutilise. Alors, numéro 1. Pour une bouche délicieuse. Peut-être les petits pochons. Je vais pouvoir les garder aussi. Pour une bouche. Donc du coup j'imagine c'est un baume à lèvres à la noix de coco. Oh, c'est un petit pot. Oh, The Body Shop. Et c'est un beurre à lèvres. Ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits The Body Shop pour les lèvres. Je l'ouvre illico presto. Oh là là, le ménage. c'est trop bon. Allez, c'est... Ah, ils sont à la vraie noix de coco. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est la noix de coco de chez The Body Shop. Et moi j'adore les baumes à lèvres, j'adore la noix de coco, donc pari gagnant. Ensuite, putain, j'ai un nom qui l'accroche. Il ne faut pas oublier les mains propres. Donc un truc pour les mains à la noix de coco également. Alors là, peut-être un gel ou une crème pour... Bah non, un gel antibactérien, la noix de coco. Ah bah oui, The Body Shop. Bah oui. Oh, mais je savais pas qu'ils faisaient ça. Bah c'est à Paris que j'ai vu ça. Tu veux pas en mettre encore plus? Mais faut y aller. Bah non, une goutte ça suffit. Bah tu fais tout comme ça. Ah oui. Ça sent? Enfin, quand tu sens prêt, tu sens l'alcool. Mm. Mais comme ça là, tu sens. Et ça sent comme le baume à lèvres. Mais je connaissais pas, je savais pas qu'ils faisaient ça. C'est trop bien. Parce que moi je jure que par les trucs pour les mains de chez... Merci Andy, mais celui-ci, franchement, il est pas mal du tout, ça sent bon. On dirait du Malibu. Oui. Alcoolique. Numéro 3, une peau parfaite. Alors. Ah, t'as deviné pas? Bah, un masque pour le visage. Oui. Oh. C'est
c'est japonais, non? C'est coréen. Ah oui, c'est coréen. Et ça fait une brique de lait de coco. Et c'est un masque visage en tissu, voilà, parfait, hein, encore le combo le gagnant. Mais et c'est quoi la marque? One, non? On sait pas. Je sais plus. Attends. C'est une marque, de toute façon, c'est écrit en coréen, je pense. Hein. C'est ça la marque, ah voilà, là, Apieux. Apieux. Donc voilà, donc ça, je retesterai, je vous redirai des nouvelles, mais j'espère que ça sent. On sent pas, on sent notre coco qui est dedans la boîte qui est fusée. Ensuite, 4, sans oublier les cheveux. Donc, ah bah, je sais c'est quoi. Non, forcément. Sephora, je l'ai acheté en plus. Bravo. À chaque fois, de toute façon, chaque année, il y a un truc que chacune a acheté. Là, il n'y en a pas qu'un, là. Ah oui. Oh merde. Tudou. En plus, je l'ai toujours pas testé. Mais si pareil, ils sont vachement bien. En fait, là, vous avez la crème pour les cheveux. Et là, vous avez la Charlotte. Et il faut le laisser poser toute la nuit. Et ça, la noix de coco. Et c'est super bien. Bon, par contre, je l'ai pas mis parce que la Charlotte. C'est un peu compliqué. Et numéro 5, et pour finir, les dents. La vidéo est sortie après mon achat. Ah mince. C'est de la poudre blanchissante et on m'a contacté dernièrement pour en tester. De toute façon, vous avez vu normalement la vidéo. Non, je... Mais elle sent. Elle sent quoi? Elle sent un peu la noix de coco, que la mienne elle sent absolument pas, mais je la testerai, moi j'ai bien aimé, même si j'ai pas eu de résultat, je l'ai bien aimé, hein. Franchement, franchement, tu vois, quand je vois ça, je me dis que tu me connais quand même vachement bien. Ah bon? Ça fait même peur, quoi. Donc voici pour la deuxième boîte, il en reste encore 3. Alors, pour la troisième boîte, comment tu dis? Othéoc? Moi je pense. Othéoc, et ça a l'air super bon. Ce sont des crêpes sucrées coréennes à la cannelle et aux cacahuètes. Truc de malade. Pour ça, je t'ai mis la recette, tu pourras en faire. Ben oui. Et en plus, il faut rien de compliqué ou quoi. Franchement, j'en ferai. Je te jure, je vais en faire. Ben ça, je vais le garder. Je le mettrai dans mes livres d'enfants. Ouais, voilà. Donc, du coup, ça, c'est coréen. Corée du Sud. Oh là là, et premier chez les produits cosmétiques masculins. Qu'est-ce que tu m'as mis quand j'ai une box pour faire? C'est ça, ouais. Voilà, et puis ça, c'était les petites crêpes. De toute façon, si vous voulez les recettes ou quoi, n'hésitez pas, on pourra vous les partager. Donc, Corée du Sud, Chine, Corée du Sud, c'est ça? Vous ouais, peut-être la Corée du Nord. Non, non, il n'y a pas Corée. Hop. J'essaye, hein, mais... Mais non, c'est une cause perdue. Trop de fils. Alors, la boîte... avec juste le fond... Oh non, ah non, j'ai été mauvaise langue. Elle est plus remplie, celle-ci. Alors, un pour changer des masques, cheveux et visage. Alors, soit un masque pour les mains, soit un masque pour les pieds, soit un masque pour le corps... Soit un masque pour les lèvres, soit... C'est pour mon double menton. Je savais pas, c'est Dr Jart. Et c'est un neck et chin lift. C'est... Cou et menton. Masque hydrogène raffermissant, ciblé cou et menton. Mais truc de malade. C'est bien que les Coréens qui peuvent faire ça, quoi. J'ai ri. Oh, mais trop. Ah, franchement, faut que je testerai en vlog. Il y a trop moyen, je le teste en vlog, quoi. Ouais, c'est un truc en tissu, du coup. Ouais, bah oui. Mais tu le mets jusqu'aux oreilles. Oh, non, mais je vais avoir la tu l'attaches derrière les oreilles. Oh là là. Non, mais je le fais en vlog, obligé. Numéro 2. En hiver, il faut conserver les mains. Oh, les petites boîtes. Allez, ça se passe. C'est bon. Il faut enlever ça quand même. Ah mince. Il y a aussi de l'eau là-haut. Ah, qu'est-ce que j'allais dire. Du coup, bah, les mains, soit une crème pour les mains, soit, bah, je pense une crème pour les mains vu qu'il n'y en a encore pas eu. Oh, oh la mignonnerie. C'est trop beau. Tout ce qui est coréen est beau. Mais c'est trop mignon, je vais même pas l'utiliser. Bah si. Comment tu l'ouvres? Ah ouais, faut enlever le plastoc. Ah non, mais la mignonnerie, quoi.
sent la crème. Mais ça sent bon. Enfin, oui, tu sens que c'est la bonne crème hydratante. Mais c'est trop mignon, quoi. Ça, je vais le mettre sur mon bureau. Mais j'adore. C'est trop mignon. 3. Pour boire du thé, un infuseur. Ça fait du bruit. Ah bah, hey, tu pouvais rien ouvrir. Ah là, non. Tu pouvais pas tricher. Non, je pouvais pas. Tu comprends pas. Non. C'est une cocotte minute. C'est un mug, c'est une sorte de mug. Mais c'est même pas. Ouvre. Ah non, pardon. Non, ça fait boum. Bon, je sais plus comment ça se met, mais ça va là, hein. Voilà, comme ça. Je crois, voilà. En fait, tu mets le thé là. Oui. Tu mets l'eau par au-dessus et ça infuse comme ça. Et ça se pose comme ça du coup de travers. C'est trop bien. Et tu mets ton thé en vrac là. Comme ça, tu fais l'eau. Tu mets l'eau bouillante par au-dessus. Oui. Et ça infuse par là. Et t'as plus qu'à enlever ça quand tu veux. D'accord. Bah, j'essaierai, je te redirai. Mais ouais, c'est super bien. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est coréen. Franchement, je sais pas si, dites-moi si vous vous connaissez, mais moi je connaissais absolument pas, donc je testerai en vlog. Vu que je vais boire plein de thé pendant l'hiver, là, pendant décembre. Mais je connaissais absolument pas, j'avais jamais vu. 4. Arrache-toi les lèvres pour un résultat qui tient. Oh, c'est les. Je vois. Alors, oh, en plus tu m'as pris le vrai. Donc c'est de Berrysome. Et c'est, en fait, vous devez appliquer la matière et après vous devez l'enlever, ça sèche et vous devez l'enlever et ça teint vraiment bien les lèvres. Et faut trop qu'on teste, quoi. Moi j'ai testé. T'as testé ? Rien aussi. Et c'est Virgin Rouge. Mais j'avais déjà vu ça, ils font aussi pour les sourcils et ça m'a l'air super bien. Donc pareil, je testerai un coup. Mais c'est bien, au moins vous êtes sûr que ça tient et ça fait un résultat assez naturel, quoi. De toute façon, les coréennes, elles aiment bien avoir les lèvres légèrement mordues. Ils appellent ça comme ça. Pokémon. Le 5. Tu m'as pris une crème comme les trucs que je t'avais acheté. Oh, Tony Moly. Oh, Tony Moly, ils avaient sorti une collection de... Oh, ils avaient sorti une collection avec Pokémon et des soins pour le visage, les mains et tout ça. Et j'avais acheté plein de choses à Flora. Et du coup, bah, elle m'a acheté une crème pour les mains. Rondoudou. Je sais pas si ce que vous verrez. Mais c'est rendu de... C'est trop bien. Il y a l'opercule. Tu sens un peu mauvaise langue. Ah oui. Ouais. Mais ça sent vachement bon. Donc moi je mettrai ça dans mon sac. Comme ça je pourrais me la sortir à ton Pokémon. Je pourrais me la péter en communauté. Ensuite, hop, je vais fermer ça. Ensuite, poulet sauce aigre douce. Et ça aussi, il n'y a rien de... Hey, tu fais ta sauce aigre douce toi-même. Ouais, c'est tout simple. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste? Indonésie? Non, on a déjà fait Indonésie. Ah non, Chine. C'est chinois, ça, aigre douce? Ah bah oui. Alors. Donc je vous montre quand même. Alors, Chine. C'est la dernière boîte comme ceci. Oh, oh, du papier crépon. J'aime bien ça. Donc, voici. Alors, numéro 1, pour te garder au chaud. Une bouillotte. Ah bah c'est celui que j'ai dans les mains. Oui. C'est des chaussettes, des gants. Un bonnet. Oh non. J'en voulais m'acheter un comme ça en plus. Oh, cache-cache. Ouais. Ah d'accord. Ah. C'est un bonnet. Un bonnet. Un vrai bonnet. Avec des oreilles. C'est trop mignon. Je le garde. 2 pour te réchauffer. Oula, c'est anglais. Oui. Du thé? Oui. Oh, trop bien. Afternoon. Oh, ah bah. Dommage. Ah oui, bah c'est comme les... ceux que j'ai. Tu les sépares. J'aimerais bien sentir. Bon, après, je pense que ça va être du breakfast, truc bergamote. Des fois, ils sont comme ça à l'anglais. C'est ça. C'est du tout simple, mais ils sont super bons. Ouais. Pour le matin, tu sais, ils boivent ça le matin.
Par contre, j'entends mal avec le poulet. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais remonter juste les oreilles. Ah, oh, ça va, on les voit, on la dépasse pas. Un peu de lumière en hiver. Ça se casse? Non. C'est galère. Bon. Ouais. J'avais jamais vu. C'est une guirlande avec des vrais passants linge en fait. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre un fil et vous pouvez l'accrocher ou même mettre autour d'un truc. En fait, c'est super bien. Ça allume, hein. Oui, oui, bah oui, il faut mettre des piles. Mais j'avais jamais vu en forme de passant linge. Et c'est trop bien. Je pense que je vais la mettre. Mais on va mettre des photos au bout. Mais j'ai un truc dans la chambre. Non, dans mon couloir, mais bon. Dans le sapin. Au pire. Et ça s'allume comment? Multicolore? Ouais. Ah ouais. Mais j'avais jamais vu en forme de pâte à linge comme ça. Faut que je regarde chez moi, mais sûr, je vais lui trouver une super place. C'est obligé. Je vais mettre ça là. 4, la nouvelle année arrive. Un truc pour un planning, un truc comme ça. J'ai vu un mignon. Oh non! C'est un calendrier mignon que vous pouvez poser comme ça. Oh non! Et vous avez à chaque fois un petit mignon. Ah bah c'est déjà en 2017. Ouais, t'as vu? Ils ont commencé tôt. Oh, et tu peux écrire de l'autre côté du coup. C'est trop bien, je vais le mettre sur mon bureau. Comme ça, j'aurai 4 jours on est. Parce que je sais jamais 4 jours on est. Moi j'aime bien. Ils ont bien fait ça, ouais. Numéro 5 pour compléter le précédent. Encore des trucs mignons. Oh, c'est une pochette Sephora ça. Ouais, ouais, c'est pas du Sephora dedans. Oh, oh. C'est trop bien. C'est des stylos de couleur mignons. Et j'adore les stylos de couleur, j'en ai plein, j'en achète tout le temps. Et là, c'est des mignons, des stylos billes avec des couleurs que j'utilise. C'est trop bien. En plus, c'est un mignon à chaque fois différent. C'est trop bien. Et du coup, ah merde, il y a manqué un. Manqué de jaune. Bah allez. Ah, et ça, c'est des trucs de chez Auchan, ouais. Ouais. J'en avais eu. Il y avait des mignons. Il y avait des mignons chez Auchan. C'est trop bien parce que j'utilise beaucoup les stylos et au moins j'aurais des stylos mignons. J'en avais pas. Suivant. Ah bah là c'est le dernier. Ah bah oui, il faut bien un jour. Ça passe trop vite quoi, tu prends tant de temps à le faire et ouais, en 10 minutes quoi, c'est abusé. Alors, le dernier. Cupcake, banane, amande et miel. Encore l'affaire. Ah oui, c'est ce qu'il peut faire. États-Unis. Et c'est ça alors? Ouais. Et elle m'a mis un sac. Et en bas, je vais demander. Je me dis, bon, on dirait les trucs de Mr. Wonderful. Mais non, c'est pas. Mais ils ont le même. Ouais, c'est pareil. Ils ont la même. Quand j'ai écrit, je me suis aussi demandé. Alors, numéro 1, un petit kit, c'est toujours utile. Oh, après, il est rempli. La violence. Il est rempli ceci. Il n'y en a plus que 5 là, non? Ah non, il y a une... Oula, il y a une grosse poche chez Sephora. Bon, commençons par ça. Alors un kit, c'est peut-être un kit de... Je pense un kit de maquillage. Quel B... Ah, j'ai cru que c'était le B4, ça veut dire... Oh! C'est trop bien! Il y a 4000 trucs dedans. C'est un petit kit de chez Makeup Forever avec 5 produits. Il y a la base hydratante, la poudre HD, le mascara excessif Lashes, le crayon noir Aqua XL et un rouge à lèvres, un gloss rouge. Trop bien, j'avais jamais vu qu'ils faisaient ça, Makeup. Enfin, j'en avais déjà acheté avant, mais là, j'en ai pas vu. Je vais regarder vite fait. Et moi, j'adore les miniatures, hein. J'achète souvent les produits en miniature. Comme ça, ça vous permet de tester avant d'acheter. Et des fois, vous avez largement assez d'une petite miniature quand vous avez déjà beaucoup de choses chez vous. Donc ça, c'est bien. Ça me permettra de tester parce que la base et tout, je ne les connais pas.
numéro 2 de la nouvelle collection. Oh, du NYX. En plus, je me suis... Oh, ce sont les Metallic Matte Liquid Suede. Et moi, les rouges à lèvres NYX, c'est partie de mes préférés. Et j'ai déjà des suèdes que j'aime beaucoup. Par contre, les métalliques, bah du coup... Mais viennent de sortir. Ouais, bah oui. C'est sorti le mois dernier. Je n'arrive pas à l'ouvrir, je suis très embêtée. Oh, ça va. Et c'est la teinte Bella ou Belle... Bella. Mais la teinte a l'air magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de bronze comme ça, de rose rouge. Ah ouais. Non, franchement, t'as bien choisi. Hein. T'as bien choisi parce que je pense que c'est une teinte que j'aurais pris pour essayer parce que le métallique, c'est toujours assez spécial. Je pense qu'il faut faire les yeux recharger ou un truc comme ça. Je retesterai, je vous redirai, mais la couleur est absolument magnifique. Tu retesteras dans un vlog. Dans un vlog. 3, mignon et utile. Ah, je sais ce que t'as fait. J'ai fait un nœud. Ouais, t'as pris les ans, c'est t'as fait un nœud. Ouais. Je comprenais pas, j'ai dit, mais il est où le bout? J'arrive pas à savoir c'est quoi. Éponge maquillage. Oh, Kiko! J'avais jamais vu qu'ils faisaient des patchings. Des packagings comme ça. Et moi, les éponges, j'en ai jamais assez. Et là, il y en a deux. Non, deux pièces. Hein? Oh! Oh non! Ah, c'est ça. C'est des macarons. Mais c'est trop bien. C'est trop mignon. c'était des boulots de stress en fait. Franchement, j'avais jamais vu. Je trouve ça trop mignon. Mais je vais la garder. Ça, je l'ai gardée. Je vais la mettre comme ça sur la coiffeuse. Non, mais sérieusement. Et puis pour mettre l'anti-cerne et tout. Franchement, c'est sympa. C'est utile. Bah, mignon et utile. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et moi, les éponges, j'en ai plein. Je me maquille beaucoup avec ça. Pour tout ce qui est texture grasse. Et on en a jamais assez, quoi. 4. Pour briller de mille feux. C'est ça. C'est de l'highlight un peu comme ça. Je l'ai dit juste avant. Bah oui. Et je l'ai déjà. Je l'ai envie à un moment. Bah ouais, mais je l'avais acheté avant. C'est, à chaque fois c'est comme ça. Par contre, enfin, parce que toi tu t'y prends vachement tôt aussi. Moi je pense pas que j'ai acheté des trucs. 5 pour changer un peu des palettes. Tu sais que j'ai voulu faire la même. Parce que chaque année, le gros cadeau à chaque fois c'était une palette. Oh putain. Et moi je voulais changer et au final j'ai trouvé autre chose. Mais voilà, au final, comme quoi on est connecté. Donc une grosse poche Sephora, bien lourde. Je vois pas du tout ce que ça peut être. C'est ma mère. Ça va pas avec le thème. Oh, c'est Benefit. Je crois que je les ai vus. Attends. Oh, mais la beauté. Maman. Elle est trop belle. Je te cache. Vas-y, cache-moi. Big White Eyes the Bay. Oh non! Je voulais trop les tester, les produits. Attends, Je sais pas comment ça s'ouvre. Je passe par le cul. C'est des produits. Non, mais c'est des produits Benefit. Et j'avais testé la crème pour les yeux de chez Benefit et je l'avais adorée. Et là, je viens de voir qu'il y a la crème pour le visage en full size. Et il y a ça qui doit être. Ouvre-le, tu vois. C'est un sérum. Mais je. Ah. J'aimerais bien l'ouvrir, mais bon. J'ai peur de la casser, en fait. Oh, oh. En fait, ça s'ouvrait par le cul, mais... Par au-dessus. Du coup, vous avez un primer pour les cils à base nourrissante pour des sourcils plus fournis. Super bien. J'avais jamais vu qu'ils faisaient ça, c'est trop bien. Oh. Non, c'est que du full size.
Est-ce qu'il y a marqué dessus? Non. Ah non, c'est pas un fonctionnement. Mmh. Ça. Mmh. Ça, c'est un sérum. En petit truc comme ça. Là, vous avez du coup la petite crème pour les yeux. Et vous avez le pot, oh là là, le packaging en grand format. Et je suis trop contente parce que je voulais tester ces trucs. Et j'avais jamais vu qu'ils vendaient ça. Mais t'as tapé fort, hein. Parce que en plus, j'ai regardé moi et j'avais pas vu ça. Truc de malade, quoi. Et la boule, je la gardais, quoi, même si c'est rose. Et ça fait planétarium. Ouais, ça fait trop bien. Thème. Ouais, bah oui. Bon, je vais la laisser parce que je vais la casser. Donc voilà pour ce swap qui est fini. Maintenant, c'est elle qui va ouvrir parce qu'elle a pas encore ouvert. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir ce que moi je lui ai offert. Mais en tout cas, c'est le plus beau swap que tu m'as fait. C'est mon préféré, j'aime tout. Tout est magnifique, t'as tapé dans le mille, mais pour tout quoi. Bon après il y a des doubles malheureusement, mais t'as vraiment tapé dans le mille et je suis trop contente, je vais pouvoir retester plein de produits et... Merci ma petite femme. Donc voilà, non mais je vous souhaite vraiment d'avoir une meilleure amie comme moi j'ai, parce que ça vous apporte beaucoup au quotidien et ça vous gâte comme ça chaque année dans les swaps. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder, les anciens swaps sont toujours en ligne. Et du coup, on va vous laisser, celle qui vous brille, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Oh, my God.